Bonsoir à tous, bienvenue dans EcoFamily. Donc aujourd'hui, on va réaliser la recette de la soupe à l'oignon. Donc pour cela, on a pris 10 oignons, du bouillon de poule fait maison. Donc hier soir, on a récupéré deux carcasses de poulet qu'on avait dans le congélateur. Ensuite, on y a ajouté les vers de poireau, une carotte lavée et non épluchée, que j'ai mis dans environ 5 litres d'eau. J'ai mis ça à cuire pendant 2 heures. Il faut également 50 centilitres d'eau. Parce que le jus est très concentré, donc après il faut du sel, du poivre, du beurre et de l'huile pour démarrer la cuisson et 30 centilitres de vin blanc. Donc pour les oignons, c'est très simple. Bon, un bon couteau bien sûr, vous le coupez en deux comme ça. Ensuite, vous faites tout simplement des tranches sur le côté. Il faut bien prendre soin d'avoir enlevé les deux bords ici et comme ça, ça se détachera. Vous aurez que des petites lamelles. Une fois en cuisson. Vous voyez, je fais des fines tranches hein, dans 3 mm quoi, d'épaisseur à peu près. Faut pas que ce soit trop fin non plus parce que comme ça cuit très longtemps. Des fois quand vous arrivez sur le bord ici, vous le retournez à plat et vous le finissez comme ça. Tout simplement. Bon, là je fais doucement parce que pour la vidéo, mais en fait c'est. Voilà, c'est très simple. En fait, vous les coupez comme ça. Légèrement. Quand vous sentez que l'oignon bascule vers ici, hop, vous basculez et vous reprenez. Voilà, petite bouillie embêtée. Pour ne pas se couper les doigts, on écarte bien et voilà. Hop, basculement. Vous faites chauffer votre cocotte, vous y ajoutez de l'huile, pas trop parce que sinon ça va être trop gras, du beurre, parce que l'huile et le beurre, donc l'huile empêche le beurre de brûler, vous laissez fondre sans coloration surtout. Et si vous faites trop fort, vous baissez un petit peu. Voilà. Donc ça paraît beaucoup de matière grasse, mais on a beaucoup d'oignons. Et vous mettez vos oignons. Et il faut faire tout ça en remuant régulièrement à feu moyen. Et environ 10-15 minutes, je vous confirmerai ça une fois que ça sera fini. Donc voilà, donc au bout de 10 minutes, vous voyez les oignons ont bien sué. Donc, vous voyez bien, ils sont un peu plus mous, tout ça. Donc, on met le vin. On met ça à feu doux. Et on laisse confire encore une dizaine de minutes. Donc, une fois que le vin blanc est évaporé, vous ajoutez les 2 litres de bouillon de poule. Donc, si vous n'avez pas de bouillon de poule maison, vous pouvez prendre de l'eau et puis des cubes. Ça sera moins bon. Voilà. Et vous mettez en cuisson environ une heure, un tout petit bouillon, un petit frémissement. J'oublie un petit détail, donc il faut assaisonner quand même. Donc un peu de sel, un peu de poivre, et on rectifiera à la fin s'il en manque. Donc voilà, au bout d'une heure, la soupe est cuite. Donc soit vous la mangez comme ça, ou alors vous la gratinez. Donc pour faire ça, du coup, vous prenez un bol qui va au four, bien sûr. Vous le remplissez. Donc à ce stade-là, vous pouvez mettre une tranche de pain avec un petit peu d'ail et du beurre, ou une tranche de pain toute simple. Ou alors, bah, vous faites comme nous, vous mettez du gruyère dessus. Il faut être généreux quand même, sans l'écraser pour pas qu'il rentre dedans. Vous égalisez bien. Voilà. Donc vous la mettez au four à 240 degrés sur grill.